Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. Madame Hartchek, je crois que vous ne comprenez pas. Les cristaux sont leur protection. Quand nous les enlevons, les cristallisques deviennent très vulnérables. En plus, Sanctuary pourrait facilement trouver un autre site d'extraction. Mon équipe et moi refusons de chasser ces créatures pour vous. Point final. C'était l'agent de sécurité Boss. Terminé. En fait, dois-je vous rappeler les termes de votre contrat ? C'est pas tant qu'elles, en fait, c'est qu'elles sont pas constantes. C'est-à-dire que des fois, en touchant un ennemi, elles explosent. Ma politique n'y changera rien. Fermez votre clapet, prenez votre mais arme des fois pas. Et livrez-moi mes cristaux comme une bonne petite fille bien élevée. C'est ça qui me dérange. Des fois, elles rebondissent et puis tu t'en prends plein la gueule. Ça rapporte pas de fric par contre hein. Ce n'est pas déplaisant. Je récupère juste l'XP en fait hein. C'est bon. M formature, hein. À moins qu'un membre de l'équipe de sécurité de feu, Madame Boss, ait quelque chose à objecter, ramenez-moi mes putains de cristaux! En plus, c'est gratuit, je suis pas de munitions. Tellement morte, l'agent de sécurité, tu veux dire? Et... Je préfère mon pack de textures, hein, perso. Du charbon! D'accord. Parce que, on est d'accord, dans les différents packs du jeu, et dans sur le site, salut toi! Sur le site, on parle de skin d'armes, on est d'accord. Hein. On parle pas d'armes particulières, mais bel et bien de skin d'armes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entend parler? Est-ce que vous avez entendu ça? J'ai tellement rêvé de faire ça dans ma vie. Bon, je vais essayer d'en tuer un au shotgun quand même. Voilà. Ça fait du bien. Ça soulage. Quel con. Je les voyais pas les autres en fait. Minecraft. Merde. Quel con. Non. Oui. Merde, c'est un brutal. Vas-y, blockade. Bricoleur. Je les ai pas, apparemment. C'est ça qui me choque. Essayez également Minecraft. Oh, c'est mignon, ils se donnent des... Attendez. J'ai jamais dû le faire avec ce personnage, en fait. Ils te font la même que dans... Ouais, c'est ça. Voilà, attendez, excusez-moi, parce que j'ai la queue de cheval qui me nique l'arrière de la tête.
Voilà. On est mieux. Ok. Vous avez vu la skin? Attendez, je sais pas si je peux vous montrer l'arme. Normalement, si. Je peux inspecter, normalement, non? Je peux pas. Regardez le texte sur la Teddy Or. Ah putain, j'avais oublié les Teddy Or. Regardez le texte, c'est la fonte, la police d'écriture de Minecraft. Allez. C'est du... On y va. C'est pas long, hein. C'est pas long du tout. Parce que s'il parle de skin, ça veut dire modification d'armes, non? Je sais pas, enfin... Il y a même des... comme dans... Ah oui, j'en suis à la pioche en bois, ça c'est sûr. Ah, c'est tout? Je croyais qu'il y en avait plus. Ah, je croyais qu'il y avait plus. Dommage. Oh, il a sauté dessus! Wouh! Level up! Fou, c'est accueillant. Je vais juste checker au niveau de... Juste, excusez-moi. J'ai loupé une quête importante ici. On va aller la chercher. Mais avec plaisir, Hammerlock! Donne-moi ma santé! C'est quoi? Wouh! Je prends! Fais chier, toi! Aïe! Ils sont deux? Ils sont encore deux, ouais. Ouh, le gros pack! Merci! Ok, une grotte mystérieuse, un wagonnet abandonné, effectivement, c'est la quéquette que je cherchais. Votre boulot, c'est d'escorter la roche jusqu'au broyeur de minerai, puis de livrer l'iridium à votre superviseur. Pour ceux qu'on surprend à voler le minerai sur le site de forage, c'est une balle dans la tête. C'est pas tout ça. Ah putain, faut que je le pousse. Tu te fous de ma gueule? Ça marche dans ce sens-là, d'accord.
Bonjour. Bonjour toujours, hein. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous me voulez? Des fois, à la portée de la lame, je comprends pas. J'ai des dégâts de corps à corps avec ça. Cool. Dites, je ne voudrais pas polluer votre victoire minière avec mes pensées profondes, mais il existe sûrement un lien entre cette arche maléfique et les impressionnantes réserves d'iridium sur cette planète. Un jour, j'espère découvrir le fin mot de l'histoire, puis ultérieurement, inventer une danse sur le thème des éternuements. Et je disparais, tel un fantôme dans la brume, toujours là. Eh oui. Et oui, oui. Ça fait mal. C'est sympa de me rendre visite. J'ai un petit projet canon pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la guerre des clans? Les Odunk et les Afor se font la guerre depuis des années et je commence à me dire que la vie serait un poil plus facile si on les tuait tous. Pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait une physique sur ces boucles. Prends ces explosifs et les emblèmes des clans. Les emblèmes sont derrière dans la casse. Voilà mon plan. Va en territoire Odunk faire ton petit numéro. Tu sais, quand tu tues tout le monde là, qu'est-ce que t'es canon quand tu fais ça. Puis laisse l'emblème des Afford comme carte de visite. Puis passe en territoire Zafford dans les Highlands et fais la même chose avec l'emblème des Odunk. Ça te botte? Il y a un maître devant elle. Ouais, il y a pas de souci. Écoute, tant qu'à faire. Hé, hey, chouchou, j'ai un boulot pour toi. Passe me rendre visite au garage dans le dust. Non mais tu viens de me le dire, t'inquiète. Les explosifs tout seuls, ça marchera pas. Il nous faut les emblèmes des deux familles. Regarde dans ma décharge. Il doit bien y en avoir des vieux qui traînent. On va regarder. Les Odunk ont choisi cet emblème parce qu'ils aiment les planches à pain. Et ils aiment les planches à pain parce que les Odunk, c'est rien que des danseuses. Les Afford ont choisi le trèfle comme emblème pour attirer la chance. Plutôt ironique quand ils pensent à ce qu'on va leur mettre. Maintenant que t'as tout récupéré, rends-toi à la piste Odunk Speedway. Ces Odunk vont être tellement dégoûtés qu'ils vont encore plus regretter de pas m'avoir tué quand j'étais bébé. Ça, c'est le troisième plus grand pneu de tout Pandore. La fierté et la joie des Odunk. Ils vont être super énervés de le voir exploser. Uh-oh. Recule un peu. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Tentative. Et maintenant, laisse tomber cet emblème des Afford. Oh. Hop là. Pas mon mucose, là. Papa Jimbo a vu cet emblème dégoûtant des Afford et il accepte le défi Mix Afford. Les mers seront vertes du sang des Afford. Les mers seront vertes. J'avais jamais vu Jimbo aussi furax depuis qu'il a appris que ma famille quittait son clan de tocards. Maman voulait pas nous élever, Scooter et moi, dans une tribu d'attardés plus enclins à bouffer un bébé qu'à le protéger, sans oublier le... Attends deux secondes. Va par là. Que Jimbo a demandé à Moxie de tuer un gars, sans quoi il me forcerait à épouser le chef du clan. Ça lui disait pas grand chose. Alors, ouais. Souvenir, souvenir. Et si t'allais au bar Holy Spirits, près d'Overlook, pour leur exploser la tronche? Si tu veux. Salut les mecs. Tu es à deux pas de Holy Spirits. C'est la base d'opération de la famille Zafford. Oh la vache, oh la vache. C'est pas compliqué de mettre un Zafford en rogne. Tu détruis sa gnôle. Place ses charges sur la distillerie, puis cours vite.
On n'a plus qu'à attendre qu'ils s'entretuent pour voir quel clan restera. On va se marrer. C'est quoi ce merdier? Pisse-moi sur la gueule! C'est l'emblème des Hodunk! Ces enfoirés ont rompu la trêve! Bande de raclures! Je vais vous faire passer l'envie de faire chier Mick Zafford! Comment il est vert! Je suis sûr qu'il a déjà un plan pour riposter contre les Hodunk. Je suis pas très soucié. Il aura besoin bah non, regarde. De quelqu'un comme toi pour l'aider. T'es là. Discute. J'appelle toutes les personnes qui ont des flingues à m'aider à buter les Hodunk. Je paie en trip, en bibine et en balle. Oh! Holy Spirits! Bonjour! Oh, mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Devrais-je vous aider? Après tout, je suis de passage. Tac, tac. Bonjour les mecs. Je ne peux pas croire que je loupe ma série, agent SWAT. On va bien réussir à avoir de l'iridium. Enculé. Je suis sûr que le jeu m'entend. Je suis persuadé que le jeu m'entend. Voyez ? Le jeu m'entend. Ça y est, merci. Ok, bon. Bonjour Mick. Ah, une nouvelle recrue. Bienvenue dans la famille Zafford. T'as pas vu les salopards qui ont saboté ma distillerie par hasard? Bouge pas, je te sers à boire. Oh, merci. Oh, je veux bien. Je vais prendre une petite, un petit four. Bon sang, c'est tout sec! Les Hodunk ont détruit ma distillerie. C'en est trop! La trêve est finie. Hé, chasseur de l'arche. Oui. Faut qu'on parle. Mais je viens de te... Bref. Tu vas m'aider contre ce salopard de Hodunk? Bon. Ouais. La seule chose qu'ils aiment plus que jouer au docteur avec leur sœur, c'est les bagnoles. Je veux que tu y ailles et que tu foutes en l'air leur course. Viens dans mon sous-sol. T'as choisi la bonne famille dans cette guerre. Il y a des années, Hodunk a noyé des gamins Zafford dans un ruisseau. Il y a plusieurs années, après qu'un ancien Hodunk ait buté mon petit Lucky, on a fait une trêve. Fais tourner le nounours. Après ce qu'ils ont fait à la distillerie, la guerre reprend de plus belle. Fais tourner le nounours plusieurs fois. Et... tourner le nounours. Ça va venir, hein. Ça va monter. Ah putain, trouvé. C'est juste pour du pognon ? C'est juste ça? Oh. Bon, je te suis, Mick. Alors, ça pisse le sang chez les Hodunk? T'aurais pas un poil bugué, Mick? Le guerrier, c'est juste un vieux récit, hein? Oh, je crois que Mick est un petit peu bugué. On n'est jamais assez bien armé. Je suis pas trop mal. Faites-leur un deuxième trou de balle, vos méchants. Voilà. Maintenant, va dans le dust. Je suis au bar si t'as besoin de moi. On va faire tout péter. Je suis pas allé en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Bon oh bah, on y retourne. Vive les bugs, t'as vu ça? Non mais je te dis, en fait le karma il était là. En fait tu croyais que le karma c'était le fait de survivre
se prendre des dégâts à la bombe. Mais en fait non, le karma, c'était le bug. J'ai vraiment dû tuer des bébés hein, dans une autre vie, hein. C'est pas possible autrement.